Ladies and gentlemen, please welcome back Richard Attias. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Richard Attias. Bonsoir. J'ai l'immense plaisir d'accueillir et de passer un petit moment avec Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement et de l'Économie numérique du Royaume du Maroc, Monsieur Moulay Hafid Alami. Monsieur le ministre, vous êtes également trésorier de la Fondation de la princesse Lala Salma, qui d'ailleurs a un grand partenariat avec la Fondation également de la Première Dame, que je salue. Vous êtes avant tout un capitaine d'industrie, on en parlera dans quelques instants, et vous avez été le président du patronat pendant quelques années. Est-ce que je n'oublie rien ? Oui, je pense que vous avez été même au-delà de la réalité. Non, tout de même. Monsieur le ministre, le Maroc est, sans aucun chauvinisme, puisque nous sommes compatriotes, a, je pense, un business model qui est extrêmement positif, successful, comme disent les anglo-saxons. Comment va le Maroc et comment est-ce qu'on peut définir le business model marocain en matière d'économie et dans sa place dans l'Afrique au jour d'aujourd'hui et dans sa transformation ? Merci, Monsieur Attias. Si vous me permettez une toute petite parenthèse, je suis ravi d'être à vos côtés aujourd'hui. Je crois que nous nous connaissons depuis bien longtemps. On était peut-être un peu plus jeunes. Et je suis ravi de voir avec l'ambition que vous avez, là où vous en êtes aujourd'hui, de faire un forum de cette taille-là avec ce retentissement. Et je voudrais récupérer de cela un seul mot qui vous caractérise, c'est l'ambition. Et c'est ce que doit avoir l'ensemble de notre continent. J'ai eu le privilège d'être reçu par le président il y a quelques minutes et j'ai retenu un élément essentiel, c'est l'ambition qu'il a pour son pays. Alors pour revenir au Maroc très rapidement, l'ambition du Maroc que les rois qui se sont succédés ont eue pour ce pays est assez extraordinaire. Elle a été transmise à l'ensemble des gens qui opèrent et qui essayent au quotidien de faire avancer ce pays. Alors ce qui a fait le modèle marocain dont vous parliez, je pense en quelques mots. Nous sommes passés de plans quinquennaux, je crois que ça vous dit quelque chose, nous avons tous fait des plans tous les 5 ans qui ont évolué, et à un moment donné, le Maroc s'est repris en main pour essayer d'avoir une vision, de définir là où il voulait être et de mettre en place des stratégies et des plans d'action pour y arriver. Un seul exemple, si vous le permettez, c'est l'aéronautique ou l'automobile. Nous avons rêvé un moment que le Maroc pouvait être un opérateur qui compte dans le monde aéronautique. Eh bien, quelques années plus tard, nous disposons aujourd'hui d'une entreprise aéronautique qui est Bombardier et plus de 100 équipementiers derrière. Même chose en automobile, nous avons aujourd'hui Renault qui est implanté au Maroc. Tangemed. Et plus de 210 équipementiers qui sont implantés derrière Renault. Tout ça pour vous dire que l'ambition est pour moi un vecteur essentiel qui permet de transformer les économies. Comment les populations ont accompagné cette ambition ? Parce que très souvent, il y a une vision, un leadership, comme on dit, et puis il y a un décrochage ou un décalage entre les mentalités et la vision d'un leader. Alors, on parle du leader, le roi Mohamed VI. Il y a eu un changement essentiel qui s'est opéré et que je caractériserai ou que j'expliquerai en deux points très simples. Il y a eu une volonté de transformer ce pays et puis une action qui a accompagné. Il y a eu un changement générationnel qui s'est opéré. Et à ce niveau-là, pour deux raisons, c'est quand les gens partaient à la retraite, et il y en a eu beaucoup parce que le roi Hassan II a été accompagné par une génération. Et bien à ce moment-là, il y a eu des choix de talents, de jeunes talents, avec des expertises et des expériences internationales qui ont été mis en poste. Et c'est incroyable. En quelques années, on a vu une génération s'installer, prendre la main, évidemment
en étant mixé à l'ensemble des autres générations ou des générations précédentes. Et ça a créé quelque chose d'assez particulier qui a enclenché un processus. Et les changements ont commencé à être naturels et moins choquants et moins de résistance aux changements, je pense. Vous évoquiez Sa Majesté le roi Mohamed VI. Et ces derniers mois, on a vu Sa Majesté à la tête de délégations avec un très grand nombre de chefs d'entreprise en Afrique subsaharienne. Du Sénégal au Gabon, à deux reprises d'ailleurs, en passant par la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, le Mali, et j'en passe. Est-ce que c'est un phénomène nouveau, cette vision, cette volonté d'aller vers l'Afrique subsaharienne ? Je crois, M. Attias, vous êtes bien placé pour en savoir quelque chose. Oui, mais enfin, voilà, donc, vous en savez plus que moi. Je vous en dirai quelques mots. C'est extrêmement profond au Maroc. Je pense que de façon séculaire, la relation entre le Maroc et son continent, nous sommes enracinés en Afrique, et nous avons une véritable histoire, un partage à la fois culturel, cultuel, et de partage politique très global au niveau du continent. Lorsque cette mission a été enclenchée par Sa Majesté, ce n'était que la suite de plusieurs années de travail, et je dirais plusieurs décennies. Le roi Hassan II était extrêmement proche de l'ensemble du continent. Et je dois vous dire que nous avons vécu des moments assez exceptionnels, très profonds, de partage, de volonté de développer des choses ensemble. Et j'avais l'impression, et je crois que l'ensemble des gens de la délégation avaient l'impression d'être chez eux dans chacune des étapes. Dans chacune des étapes, vous avez signé, ou Sa Majesté a signé, en tout cas sous son patronage, se sont signées des dizaines de conventions. Pardon, hein, mais parfois ça donnait même le vertige. 40 conventions par-ci, 50 conventions par-là. Comment est-ce que ces conventions ensuite se mettent en œuvre et que ce ne sont pas que des effets d'annonce ? Alors je vous confirme, ça a été 91 conventions. Ça donne sur 4 pays. Donc en effet, ça a donné le vertige, y compris aux gens qui ont travaillé, pour les concevoir, pour les mettre en place, pour les négocier. Donc je partage votre sentiment. Néanmoins, je dois vous dire qu'une commission a été instituée le lendemain de notre retour, sous la présidence de Sa Majesté, et il y veille de façon hebdomadaire. À date, 80% des conventions ont été initiées et ont démarré. Et nous avons... Les projets sont lancés. Les projets sont lancés. 80% des projets sont lancés. Et nous avons des réunions mensuelles au ministère des Affaires étrangères, présidées par le ministre des Affaires étrangères, partenariat public-privé, donc l'ensemble des dirigeants qui étaient là lors de cette mission sont présents, et nous suivons convention par convention. Il n'est pas question de faire, si vous voulez, des effets d'annonce. Je crois que ce qui nous a été donné comme instruction était de mettre en œuvre le partenariat Sud-Sud, et que ce partenariat Sud-Sud ne devait plus être une vue de l'esprit. Donc la deuxième instruction, c'était exclusivement des choses pratiques que l'on peut dérouler dans des temps extrêmement courts. En étant pratique, j'ai vu qu'il y a quelques semaines, Monsieur le Ministre, vous avez présenté à Sa Majesté, devant l'ensemble du gouvernement, un plan d'accélération de ce développement industriel à l'horizon 2020, je crois. Absolument. Donc sur les 6 années à venir. Est-ce qu'on peut en connaître les grandes lignes et comment, surtout, vous allez le mettre en œuvre ? On a beaucoup entendu ces derniers jours qu'il y avait de la vision, qu'il y avait de l'ambition, mais que parfois on était un peu, on va dire, en décalage en termes d'implémentation. Donc est-ce qu'on peut reconnaître les grandes lignes de ce plan d'accélération ? Deuxièmement, pardon, par rapport à tous les investisseurs internationaux qui sont là, quels sont les secteurs dans lesquels on peut avoir un partenariat rapide avec le Maroc ? Et troisièmement, comment est-ce que vous mettez ça en œuvre ? Alors si vous voulez, nous avons d'abord diagnostiqué où nous en sommes, et il faut le faire de façon régulière. Comme je vous disais, le Maroc a mis en place des plans, ce qu'on appelle le plan émergence industrielle, et qui a été revu régulièrement. Nous avons pris le temps de le revisiter à la lumière d'un point essentiel, et je crois que ceci concerne l'ensemble de notre continent. Nous avons un besoin important de création d'emplois. Pour le Maroc, le constat, c'est que pour les 10 prochaines années, nous allons avoir besoin d'1 300 000 emplois nouveaux, et c'est essentiel. Eh bien, l'industrie se doit de participer à cet élan. Après un diagnostic, nous sommes arrivés à une ambition, et comme on le disait tout à l'heure, il faut avoir de l'ambition, et c'est quelque chose d'essentiel, à un objectif de 500 000 emplois. En combien de temps ?
Sur la sur période, période des 6 ans. Absolument. Un demi-million d'emplois. Un demi-million d'emplois, 2014-2020. En effet, cela donne le vertige et peut paraître parfois compliqué à atteindre. Néanmoins, nous avons déjà démarré avec un certain nombre de fédérations très limitées et le plan a été inversé par rapport à ce que l'on voit d'habitude. Permettez-moi cet écart en vous expliquant ce que j'ai constaté. Souvent, les responsables vous font un plan de 500 000 en vous disant l'année prochaine, nous allons faire 10 000, 20 000 par la suite et vous allez voir, nous allons monter très vite pour laisser aux successeurs la complication. Nous avons décidé de faire exactement l'inverse. Nous nous engageons sur la première année pour la période 2014-2020 pour 150 000, la deuxième année, c'est-à-dire de 2015 à 2020 pour 100 000, c'est-à-dire sur les deux premières années, la moitié du plan qui est proposé. Et je vous annonce un scoop, c'est que nous sommes aujourd'hui, un mois et demi après l'annonce, nous avons dépassé l'engagement sur la première année. Au lieu de 150 000, nous sommes à 174 000. Tout cela pour vous dire... Je crois que le message essentiel que je voulais partager avec vous, c'est que quand on veut, on peut. Et que l'ambition est quelque chose d'essentiel. Évidemment, elle doit être raisonnable, calculée, stratégiquement planifiée, avec des détails d'action. Mais quand tout cela est mis en place, il n'y a aucune raison de ne pas être ambitieux, de ne pas pouvoir atteindre ses ambitions. Restons dans l'ambition et abandonnons pendant quelques minutes la politique. Vous êtes aussi un capitaine d'industrie, comme je l'ai dit. Je souhaite saluer l'arrivée parmi nous du président de la République, son Excellence Monsieur Ali Bongo Ondimba. Donc, vous étiez pendant quelques années, avant de prendre le portefeuille de ministre, à la tête du groupe SAM. SAM, en soi, c'est une success story africaine. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, très rapidement, comme j'ai eu l'occasion d'en parler encore aujourd'hui, SAM est un groupe dont l'ADN est de l'assurance. Nous étions au Maroc, nous avions une très belle compagnie d'assurance au Maroc, et nous avons décidé de nous développer. Premier réflexe que l'on a régulièrement quand on est sur notre continent, c'est d'essayer de se développer vers l'Europe. Donc la tentative, la première, a été d'aller acheter une compagnie d'assurance en Europe, et je dois vous avouer que ça a été un chemin extrêmement complexe. Donc nous avons renoncé à cela et décidé de nous concentrer sur notre continent et de faire un développement véritablement sur l'ensemble du continent, partant d'il y a à peu près 5 ans d'une seule compagnie d'assurance. Qui avait quelle taille? Qui était à 300 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il y a 5 ans. Il y a 5 ans. Et bien, nous sommes aujourd'hui à 35 compagnies d'assurance dans 22 pays, leader panafricain d'assurance, à l'exception évidemment de l'Afrique du Sud. Mais je vous rassure, lorsque nous mettons ensemble nos énergies, vous me donnez l'occasion de parler de cette expérience. Aucun radar ne bipait sur cette compagnie marocaine, même si elle était importante sur son territoire. Dès que nous avons constitué un groupe panafricain, on s'est intéressé à vous. Hein. Énormément. Nous avons eu les premiers de ce monde qui ont pris leur jet privé pour venir discuter en disant nous sommes parmi les premiers mondiaux, vous êtes premiers sur le continent, nous avons besoin de nous parler. Le message que je voudrais passer là, c'est que le fait de mettre en commun nos efforts, nos énergies, nos expériences et nos entreprises, de les mettre en réseau, ne serait-ce qu'en GIE, qu'en groupement d'intérêts économiques, eh bien, nous commençons à exister à la fois sur le continent, mais au niveau planétaire. Et ceci est important et nous sommes loin d'être les seuls à avoir démontré ce chemin. Ça a été fait par bien des groupes. Mais j'appelle de mes voeux la démultiplication de ces expériences parce que je pense qu'elles en valent la peine. Félicitations. Monsieur le ministre, on a parlé du secteur privé. Il nous reste une minute. J'aimerais qu'on parle quelques instants de votre rôle dans le cadre de la fondation de la princesse Leyla Salma, de son Altesse royale la princesse, en matière humanitaire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, s'il vous plaît?
Bien écoutez, j'ai eu l'honneur de participer à la création de la Fondation Alaa Salma de lutte contre le cancer. Et je dois vous dire... C'est la lutte contre le cancer des femmes ? Non, ou en général. Cancer en général. C'est le cancer en général. Et je dois vous dire qu'il y a quelques années à peine, sur les 40 000 cas déclarés de cancer au Maroc, seul à peu près un quart était correctement traité. Aujourd'hui, 100% de ces cancers sont traités et sont traités très souvent avec la contribution et le partenariat de certains laboratoires, dont le laboratoire Roche, et vous me permettrez cette page de publicité parce qu'il le mérite. Nous avons la chance de pouvoir offrir à nos malades des médicaments innovants qui coûtent parfois 40 000 euros par an de traitement, gratuitement. Eh bien, l'ensemble de cette population aujourd'hui est traitée et de façon tout à fait correcte avec la mise en place d'un certain nombre d'hôpitaux et de maisons de vie pour accompagner cette maladie que tout un chacun a connue dans sa famille de près ou de loin. Donc c'est une activité qui me tient à cœur beaucoup et qui m'apporte énormément de sens à ma vie. Je considère que lorsqu'on travaille dans ces domaines-là, eh bien, on donne parfois plus de sens à sa vie que dans des missions que vous avez citées tout à l'heure. Merci infiniment, Monsieur le Ministre, que je vous demande d'applaudir. Merci du temps consacré et je vais vous inviter à regagner notre audience. Et bonne chance pour la mise en œuvre de ce plan accélération de l'industriel au Maroc. Avant de passer à la prochaine séquence, je souhaiterais profiter de la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour annoncer de nouveau une signature de contrat. Et je vais donc appeler sur scène pour signer un contrat qui s'est négocié tout récemment encore entre Gabon Oil Company et l'ANPN, qui est l'Agence nationale gabonaise pour les parcs naturels. Gabon Oil Company a décidé de sponsoriser des films qui vont être développés, produits, pour promouvoir le tourisme dans les parcs naturels. Et ça fait partie de la stratégie du Gabon Vert, grande initiative. Donc la signature va se faire entre M. Serge Toulekima, qui est le CEO de Gabon Oil Company, et le professeur Lee White, qui est le secrétaire exécutif de l'ANPN. Je vous invite. Voilà comment l'énergie et la nature se marient et font un partenariat. En tout cas, pour ceux qui visitent le Gabon, je ne peux que vous encourager à ne venir que pas pour le New York Forum Africa, mais aussi à visiter ces magnifiques parcs qui seront bientôt promus grâce à ces films. Je vais appeler également... dans un cadre beaucoup moins industriel, un partenariat qui s'est concrétisé dans le cadre du New York Forum Africa et qui est particulièrement intéressant, entre la Fondation pour l'Afrique, la Fondation des échecs de M. Garry Kasparov. Garry Kasparov, champion du monde que l'on ne présente plus, signe un partenariat ce soir avec l'Association pour le développement du jeu d'échecs au Gabon, l'ADEG, pour promouvoir le jeu d'échecs dans le pays et notamment dans les écoles qui ont des programmes spécifiques. J'appelle sur scène Garry Kasparov et Patrick Ndong Begono, président de l'AGEC. Le projet s'appellera le Gabon Chess Advance. Où est notre ami Garry Kasparov? Je ne le vois pas. Bon, pourtant, tous les jeux d'échecs qui sont là font qu'il devrait bientôt... Est-ce qu'il est en train de se concentrer?
Bon, mais écoutez, on va passer. Je pense qu'on fera cette signature dans quelques instants, dès qu'il arrivera. Il est peut-être en train de se préparer, parce que Garry Kasparov, dans un instant, comme vous le verrez, va être intervenant sur cette scène. Et indépendamment de son intervention, il va jouer en simultané avec 6 adolescents et enfants aux échecs pour voir comment initier et inspirer ces jeunes. Cette année, au New York Forum Africa, il y a eu, nous l'avons vu, plus de 5 contrats importants qui se sont signés vendredi. Ça représente une valeur de plus d'un milliard d'euros. Et ça créera plusieurs milliers d'emplois au Gabon. On nous demande régulièrement quels sont les résultats concrets. Voilà, nous tenions à le préciser. Et pour ceux qui n'étaient pas parmi nous vendredi, je crois qu'il y a une petite vidéo qui résume ces signatures. Vidéo. L'ANGT a travaillé étroitement avec l'UCET pour toutes les problématiques liées à la gestion des eaux de pluie et à la lutte contre les inondations à Libreville. On peut résumer ces causes d'inondation à 3 principaux facteurs. Tout d'abord, l'habitat anarchique, l'incivisme de certains citoyens qui continuent à jeter leurs ordures et leurs déchets dans le lit des rivières. Certaines buses, certains ouvrages hydrauliques sont sous-dimensionnés et n'ont pas été conçus pour évacuer les eaux en cas de pluie très importante. À l'occasion du New York Forum Africa, le gouvernement de la République gabonaise va signer avec le gouvernement français une convention de prêt d'un montant de 110 millions d'euros, destinée donc au financement de l'aménagement du bassin versant de Guéguen. Il faut savoir que l'aménagement de ce bassin va améliorer les conditions de vie d'à peu près 100 000 personnes vivant dans ce bassin. Nous allons donc déplacer 3 000 personnes qui sont logées dans l'emprise du projet, qui vont être relogées du côté de Coq à Opus One, parce que le gouvernement a opté pour une indemnisation foncière en lieu et place d'une indemnisation financière. Voilà, on me dit que Garry Kasparov se concentre, donc il signera tout à l'heure sa convention. Et là, dernière cérémonie officielle, je profite de la présence de M. le Président de la République. Sous son haut patronage, pour la première fois cette année, va être désigné, vous avez accepté, Monsieur le Président de la République, de parrainer le premier African Design Award. Nous parlons très souvent de grands projets industriels, de grands projets dans les infrastructures, dans l'agriculture et dans beaucoup d'autres thèmes, mais il y a un domaine, nous l'avons évoqué à plusieurs reprises, un domaine dans la culture, dans les arts, qui est le design, et ce prix va être remis puisqu'il a été lancé et créé par un jeune designer très talentueux qui a reçu déjà de nombreux prix lui-même marocains. J'appelle à mes côtés M. Hicham Lalou. Alors Hicham, rejoignez-moi sur scène et en quelques mots, en quoi a consisté ce prix, combien de candidats, de combien de pays? Et c'est quoi aujourd'hui un designer? Déjà, c'est une initiative qui a été lancée pour le continent africain, avec l'expérience que j'ai eue, en me disant qu'il faut donner la chance aux jeunes designers africains qui n'ont pas la possibilité d'être connus, de se faire connaître, de faire connaître aussi ceux qui sont connus, et de faire prendre conscience aux dirigeants du continent, aussi bien du secteur public que du secteur privé, qu'il est important d'intégrer le design dans le système de management parce qu'il est générateur d'emplois, d'innovation et aussi il favorise l'image d'un pays à l'international à travers ses designers. Donc aujourd'hui, on a reçu en l'espace, le projet a été annoncé en janvier, on a travaillé dessus pendant quelques mois, on a reçu en un mois 280 candidatures, dont 70% en Afrique et on a retenu 74 candidatures. Sur 4 prix et donc le premier prix aujourd'hui qui va être annoncé sous le haut patronage de son Excellence le Président Ali Bongo est attribué à une organisation qui a été initiée par le Danemark, comme quoi travailler en synergie et en réseau est important, à l'image de ce qu'on est en train de faire nous-mêmes. C'est l'organisation Design Network Africa, DNA, qui est représenté par mon ami designer qui fait partie de cette organisation, Malien. Ils sont originaires d'où? Ils sont originaires du Danemark et ils sont basés aussi en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, la personne qui doit nous rejoindre sur scène est Cheikh Diallo. Monsieur Cheikh Diallo, donc nous appelons Monsieur Cheikh Diallo au nom de
Design Network Agency, c'est Africa. Ça Africa, pardon. Africa. Donc, monsieur, on applaudit Cher Diallo. Voilà. Oula, c'est un beau prix, ça, en tout cas. Et je... Chères félicitations. Merci. À très bientôt et bon courage. En tout cas, vous avez un très beau nom. DNA, ça veut tout dire. C'est vraiment la racine, c'est magnifique. À très bientôt, on vous retrouve tout de suite. Hicham, avant de... J'ai vu que vous aviez deux trophées. Est-ce qu'il y a deux gagnants? Donc, je me suis permis de... Est-ce qu'on peut augmenter le volume du micro de Hicham, s'il vous plaît? Je me suis permis pour remercier son Excellence et la Première Dame de nous avoir accueillis au Gabon dans cette première édition qui est historique pour le design en Afrique, du moins pour Africa Design Award, de remettre à son Excellence un prix d'honneur pour le remercier. Voilà. Merci beaucoup, Votre Excellence. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Voilà. Merci. Et donc, Gary Kasparov nous a rejoint. Donc, Gary, I hope you are not too much deconcentrated. J'espère que vous n'êtes pas trop déconcentré avant d'avoir à jouer contre six adolescents. So... Join me, Gary, with Patrick Dong-Begono. Oui, Gary mérite vraiment, j'ai presque envie de dire, une standing ovation par rapport à la performance qu'il fait toujours. Thank you. Gary, it's not the first time that you are in Africa. Ce n'est pas la première fois, Gary, que vous venez en Afrique. Non, non, l'année dernière, j'ai été dans 20 pays africains et je me sens toujours bien ici. Cette conférence et son organisation, c'est impeccable. Je vais à beaucoup de conférences, mais la façon dont ici c'est organisé, la logistique, le trajet depuis l'aéroport, non, c'est vraiment super. C'est ça le Gabon. Bon, qui a battu un ordinateur, hein, il faut vraiment se rappeler ça. À côté de Gary, je vais donc appeler Patrick Dong. Bengono, est-ce que Patrick est là en tant que président de l'association? Qu'on ne le fasse pas deux fois. Ah, voilà, Patrick. C'est tellement bien organisé que, comme on m'a appelé, en fait, les gardes à l'entrée m'ont interdit d'entrer. Pouvez-vous nous dire en quelques mots ce que votre fondation fait en Afrique? Bien. Alors, je vais essayer d'être bref. Vous aurez du temps un peu plus tard. Mais cette convention que vous allez signer, oui, eh bien, j'ai commencé cela il y a longtemps à New York, Bruxelles, Johannesburg, Singapour. La fondation africaine est la plus dynamique parce que on a réussi à promouvoir l'éducation à travers les échecs. J'aurais plus de temps pour l'expliquer, mais les résultats sont phénoménaux. Ça permet d'améliorer l'adaptation sociale. Et alors, ça coûte pas cher. C'est un outil d'éducation extraordinaire, peu cher. Ça permet d'aider des enfants qui ont des problèmes dans leur éducation, pour des enfants qui veulent améliorer leurs résultats. Merci.
Merci, Guy. So, allez donc signer votre partenariat entre la... Et l'Association pour le développement du jeu d'échecs au Gabon. Voilà, l'ADEC. Gary nous disait tout à l'heure combien le fait d'avoir l'échec, qui est un jeu, comme vous le voyez, absolument pas coûteux, qui pénètre les écoles à partir de l'âge de 6 ans, les résultats en mathématiques et en sciences des écoliers qui commençaient à apprendre à jouer aux échecs étaient multipliés à l'infini avec des résultats exceptionnels. Et donc, au Gabon, il va y avoir cet développement du jeu d'échecs dans différentes écoles grâce à l'association et grâce à ce partenariat. Gary le dira un peu plus tard, il a déjà commencé dans quelques pays, les résultats sont formidables, et il l'a commencé à New York, j'ai pu le voir personnellement, dans les écoles de Harlem, avec des résultats exceptionnels. On peut les applaudir, je crois, pour ce partenariat. Voilà, dans quelques instants, je vais rappeler Christine Kelly. Ce panel qui commence notre cérémonie de clôture va rassembler un certain nombre de personnalités qui sont des jeunes et des femmes. Les jeunes et les femmes comme agents aussi de la transformation. Nous avons beaucoup, ces précédentes 72 heures, parlé de tous les secteurs de la transformation du continent africain, mais l'heure qui va suivre, nous vous amener jusqu'à la clôture, on va parler des hommes et des femmes, ce capital humain essentiel à la transformation de notre continent. Dès que Gary Gasparov et Patrick auront fini de signer, et nous retrouverons juste après Gary Gasparov, qui passera un petit moment sur scène avec nous pour nous montrer à la fois ce qu'il sait encore faire et comment il le fait. Gary, qui est candidat d'ailleurs à la présidence de la Fédération mondiale des jeux d'échecs, dont les élections ont lieu cet été. Il y a beaucoup, beaucoup de papiers à signer. Hein? You have a lot of papers to sign. Hein? It's a big agreement. It's a serious one. C'est un gros contrat, c'est du sérieux. Gary, we see you in a few minutes. Yes, thank you. On vous revoit dans quelques instants. Christine Kelly. I am Africa.